Hello amigo, t'es bien sur la chaîne du débeufeur fou complètement fanard, complètement jobastre. Je suis de retour, I'm back. Après 6 mois de période de mou, on va dire, j'étais plus trop motivé pour faire des vidéos. Et d'ailleurs, je tiens, avant de commencer le débrief de cette très belle victoire pour la reprise de la Ligue 1 6 à 1 contre le TFC de notre cher Olympique de Marseille, des merveilles comme j'ai l'habitude de l'appeler. On va revenir après. Hein. Je tiens à faire une dédicace à un frérot que j'ai connu sur les réseaux, un fervent supporter de notre OM aussi, Toff. Tof Massilia, Totof, tu te reconnaîtras, néné. Hein? Tu le sais d'ailleurs. Santé. À la tienne, Etienne. Et à la vôtre, tout le monde. Donc, pour la reprise de la Ligue 1 après la trêve hivernale par rapport à cette Coupe du Monde au Qatar qui a été un peu controversée, a suscité des polémiques. Bon, moi. En premier temps, je suis content que la France soit allée quand même en finale de cette Coupe du Monde, bien que j'aurais aimé qu'elle la gagne, hein, je vais pas mentir. Hein. Mais bon, c'est pas le sujet. Je vais pas étaler mon sentiment sur cette Coupe du Monde dans cette vidéo. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est notre OM, la reprise de la Ligue 1 et ce large score, ce set de tennis hein, entre le TFC, le Toulouse Football Club, et notre cher Olympique des Merveilles. Et pour une reprise, c'était magnifique, avec un stade rempli, une ambiance de folie. Les gens, c'est le dernier match de la saison en plus, hein, pour le dernier match, pas de la saison, hein, excusez-moi, de l'année civile hein, 2022. Les gens sont partis en vacances, au ski, à la montagne, et c'est bondé quoi. Il y avait une ambiance de folie. Hein. Et le TFC, alors excusez-moi, hein, ça me manquait de respect au club. Hein. Toulouse, bon, vous êtes bien gentil la Ville Rose. Vous êtes bien gentil. Mais vous êtes bon pour cœur des saucisses. Hein, c'est un peu cliché ce que je veux dire, c'est un peu cliché. Manger du cassoulet et faire du rugby. Voilà, non mais le rugby vous êtes meilleur. Hein, coup ballon, hein, rond. Faut se l'avouer, c'est réel ça, non? Alors, au début du match, bon, ils ont un peu tenu la balle, ils ont essayé, ces petits Toulousains, faire le jeu, mais très vite on les a asphyxiés. Dès la 13e minute, Samuel Gigot, moi je suis fier parce qu'il vient de ma ville et j'aime bien ce joueur dans le sens où déjà c'est un honneur. Hein, il vient de ma ville, il a percé, il est à l'OM, hein, mon club de cœur, et c'est un spartiate le gars, quoi. Tu vois, voilà, il lâche rien, quoi. C'est un gladiateur, tu vois. Alors, bien qu'il a été un peu décrié. Parce qu'il a pris le carton rouge, parce qu'il a un jeu un peu bourrin, selon certains. Moi, je trouve que voilà, c'est un battant, quoi. Il a percé, doublé, hein, avec Jonathan Clauss. Hop, il sert Valentin, hein, notre Valentin mousquetaire, hein, les trois mousquetaires, avec sa moustache. Rongier, le beau gosse. Bam, au premier poteau, c'est pas souvent qu'il marque, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas marqué. Là, voilà, c'est dedans, 1-0, dès la 13e. Voilà, après, bon, ça déroule un peu, il n'y a pas trop d'occasion quand même. Hein, on s'emmerde un peu hein, dans cette première mi-temps. Jusqu'à un claquage de défenseur toulousain, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Hein. Deux têtes comme ça, il devait être en dépression ou penser à sa femme ou être ailleurs, je sais pas. Voilà, il a marqué contre son camp, pardon. Donc ça fait 2-0. À la reprise, bon, le scénario est le même. Hein, bon,
on a le ballon. Et très vite, bon, Kola, Kolasinac, voilà, se mêle d'un coup, là, voilà, au milieu de la surface, là, il a le ballon, il ne sait même pas comment il a fait, il a dit après quand il a été interviewé. Hop, il se mêle, hop, plein du pied, tranquille, Ronaldesque, Ronaldesque le gars, quoi. Donc, il avait déjà marqué le but de la victoire contre Monaco avant la trêve. Bon, alors certes, il a marqué le coche contre Tottenham, mais bon, on peut que lui pardonner maintenant, quoi. Bon, voilà, hein, il a fait un beau match. Hein. Après, mais Payet, bon, il a enfin titulaire, hein, j'allais dire, enfin. Hein. La trêve lui a fait du bien, le match amico aussi, apparemment. Et donc, il y va de son but. Il enlève la toile d'araignée de la lucarne. Magnifique. Hein, une paillettade, comme on pourrait dire. Hein. Voilà, il y avait une papinade, une paillettade. Hein, comme ça, là. Comme, et, voilà. Brossé. Là, il est de toute beauté. Après, bon, ben, Baba Dieng, il se fait accrocher dans la surface. C'est pas méchant, hein. Mais bon, il y a faute quand même. Under qui marque son premier but sur penalty de la saison. Nuno Tavares qui rentre, qui marque son quatrième but. Quel but, voilà, en toute sérénité. Bon, pas trop en finesse, mais voilà, ça va, quoi. Genre, il est quand même beau. Donc, une victoire rassurante pour le goal à verrage. Hein. C'est cool. On revient troisième, vu que Rennes a perdu à Reims. Et bon, ben voilà, c'est de bon augure. Hein. Avant d'aller à Montpellier lundi, quoi, 2 janvier, pour le premier match de 2023. Hein. Pff, un lundi à 19h, quoi. C'est vraiment le jour et l'horaire de merde, quoi, non? Vous en pensez quoi? Franchement, quoi. En tout cas, on sera là pour voir le match et débriefer. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Si le contenu du match vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager. Voilà. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Écartez-vous bien. Oubliez vos soucis quotidiens. Et à l'année prochaine, comme on dit. Tu le sais, néné.